aussi dégueu de près. Ouais. Et j'ai remarqué un truc un peu bizarre. Quoi ? Le Wendigo. Il avait une cicatrice. Et je l'ai déjà vu. Mais de quoi tu parles ? J'ai vu des photos d'un mec avec cette cicatrice. Et il était en train de se transformer en Wendigo. Tu plaisantes ? C'était un des mineurs piégés dans l'éboulement d'une grotte en 50 et quelques. Ce qui veut dire que ce truc doit avoir 80 ans. Au moins. Il tient la forme, le papy. Ils ont fait le ménage. Tué pas mal de gens. Ils ? Tu veux dire qu'il y en a d'autres ? Ah oui. Mais combien ? Beaucoup trop. Ok, Mike, il se la joue. De son antre. Comment tu le sais ? J'en sais rien. Je me sens vraiment mal, tout à coup. Pareil. On va checker derrière, sur un malentendu, il y a peut-être un totem. Non, toujours pas. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont pas pris de raccourci à mettre genre des murs invisibles, tu vois. Et ça, c'est cool. Genre, même si ça sert à rien, il y a un vrai chemin de derrière, de là où ils viennent, quoi. J'ai vraiment pas envie d'aller là-dedans. Il n'y a pas d'autre chemin. Ah, Michael's totem. Ok. La chance. Le chalet prendra feu. Ok. Mike, c'est quand même pas ce que je crois. Merde, on dirait une tombe. Ah. Les problèmes ? Est-ce que c'est pas Anna qui l'aurait déterré pour lui redonner la vie en la transformant en Wendigo, je sais pas. C'est bizarre. Ou est-ce que c'est Anna devenue le Wendigo qui l'a déterré ? Bon, très bien. J'y vais. C'est bon, viens. T'es sûr ? Je suis encore vivant. Ouais, tes dernières paroles. Oh, putain de merde. Je sens plus mes doigts. J'ai pas dit ça, j'ai dit. C'était bon. Genre, y a pas de requin ou quoi que ce soit ici. Super requin. Génial. Merci. Ça continue. Ouais. Ok. Attends, y'avait une chance à gauche là, de la roue là. Pour envoyer la caméra, non ? Ouais. Y'a rien tout droit ? Non, faut pas que je monte ? Ok. Fallait que je continue tout droit ? C'était là qu'il faudra monter, je pense. C'est ça, Moule ? Faut que je continue ? Si, monte ici. Ah ! Ouais, c'était ici qu'on voyait le totem. Ok.
un livre ouvert. Oh merde. C'est l'écriture d'Anna. Ma petite sœur est morte, la chute l'a tuée. J'ai regardé son visage pâlir, ma jambe est cassée, je suis toute seule, coincée ici avec le corps de Bess. Quelqu'un viendra bientôt. Jour 5, je n'ai jamais eu aussi faim. On dirait que mon estomac se tord dans tous les sens. J'ai pris le pull de Bess, j'ai bien plus chaud maintenant. Elle veille toujours sur moi. Jour 30. Je suis désolée, Bess. Je n'ai pas le choix. C'est la seule façon pour que je puisse survivre maintenant. Si quelqu'un lit ça un jour, je suis désolée. Il le fallait. Je n'avais pas le choix. Ça veut dire quoi? Merde. Jour 33. Mes mains sont sales, mes ongles sont tombés et ont repoussé. Je souffle, mais je n'ai plus froid. Pas de douleur, je deviens plus forte. Jour 34, je sais plus écrire. Une écriture se transforme en gribouillage. Mais si tout s'explique. Je crois que qu'Anna a sorti Bess. C'était Anna. Non, c'est... Michael. C'est ridicule. Michael, c'est forcément ça. C'est la seule explication possible. J'ai débloqué le film. Bess est morte en tombant. Et alors? Ça veut dire quoi? Comment ça, j'ai débloqué le film? Donc Anna a dû l'enterrer. Un film putain bonus? De merde. Putain de merde. Anna est restée ici. Je peux pas croire ces conneries. Elle devait avoir faim. Elle devait être désespérée. Merde. Il faut qu'on trouve Josh. Tout de suite. Alors, j'ai débloqué le film, mais on parle pas des événements du passé, hein. Ça, on pourra le regarder quand on aura les autres totems, c'est ça? Mais à quel moment, c'est bien de dire tu verras, mais au pire dis-le moi maintenant, c'est pas un spoil. À quel moment le film on pourra le voir? Non, le film se débloque avec les totems. Pour après, ok. Personne n'est d'accord, c'est déjà bon signe. En gros, tu viens de sauver Josh. Ah ouais? En lisant ça là? Et je l'ai pas lu sur YouTube? Je crois que t'as débloqué un extra. D'accord. Ok. Et c'est dans les extras ou ça sera la fin du jeu? Nom de... Ok. On regardera ça en vrai. Ah ouais, je l'avais lu sur YouTube. Attends. Ah mais non les gars, le résultat du chaos, c'est parce qu'en fait, j'ai eu tout... Le film, c'est parce que j'ai eu tous les effets papillons, c'est ça, non? Non, même pas. On est obligé de les avoir parce que c'est le jeu. Là, il manque deux indices. Là, il manque un indice. Là, il manque un indice. Ok, on va voir. Mais ça remonte à nouveau. On va s'en sortir. Ah oh, putain, non, on dit rien. Bien. On a réussi. Non, la roue du moulin, c'était pour me dire d'aller à gauche, justement. Ok. Mais attends, ça c'est quoi? C'est pour redescendre? Attends les gars, ça c'est pour redescendre? Oh merde. Oh merde. Ok. C'est pas vrai. Wesh. Anna. Ouais.
pas de corps. Oh. Oh, c'est pas vrai. Non. Oh, moi, je vais être malade. Attends. Je crois que j'ai vu quelque chose. Non. Hey, Josh. Josh? Mec? Non, je t'obéis plus maintenant. Ok. Mike, Josh! Hey, vieux! Non, me frappe pas! Me frappe par pitié! T'étais parti loin, mec! T'étais complètement dingue! On ne pensait pas te ramener. Josh, Anna est restée ici pendant. Des semaines? Des mois? La tête est épaisse. Sam. Mike! Ok, allez, on se casse d'ici. Ok. Josh, est-ce que t'as la clé du téléphérique? Ouais. Tiens. Oh, tant mieux. Tu vois ça là-bas? Ça veut dire qu'il y a une sortie directe. Allez. Ouais, enfin, y'a la sortie. Il n'y a pas moyen que Josh arrive là-haut. Ok, si vous m'aidez, je peux rentrer pour dire aux autres qu'on va bien. Ouais. Ouais, d'accord. Tu ramènes Josh par là où on est passé et on se retrouve au chalet. Fais attention. Ouais, toi aussi. Allez, on y va, espèce de malade. Putain, on joue Josh. Et là, y a rien. Pas de totem. T'étais pas obligé de frapper si fort. Ah, ouais. Je suis désolé pour ça, mec. Je croyais que t'avais tué Jess. J'avais tort. Ok. Gauche, je suppose, non? Ouah, y a un totem. Je me souviens de ce totem là. Putain, il manque deux totems. Enfin, il en manque trois, mais il y en a un qu'on pourra plus avoir. Les deux totems, oh là là, on aura presque le film complet, sa mère. Je suis dégoûté par contre là. Non mais il en manque trois, mais il y en a un, on sait où on l'a loupé en fait. Les deux autres, je pense que c'est à venir. Putain, mais les gars, faites un effort, je vous en supplie, le chat. Je vais bannir. Non. Non. Ok. Y a pas un autre totem ici? It's me. Pourquoi tu dis ça, mon ref? Je sais. Les potes, dites-moi hein, s'il y a un totem. Je sais, hein. Je sais. Ok. Ok. Ah ouais, mais il y avait la cousine là, non? Ça va donner quoi? Eh, en vrai, Josh, il me fait de la peine de ouf. Il a perdu ses sœurs, il était sous traitement. Tu n'existes pas! Oh non!
wesh, sa glotte, elle faisait du vibrato. On l'avait oublié, lui, hein. Wesh! Mais elle est baisée, elle! Jess? Mais cousine! Quoi? Bon sang, Jess. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Putain, t'as réussi à t'en sortir? Ouais. Comment t'as atterri en bas? Mike et moi, on faisait les cons et... Et puis, c'était... Quoi? J'en sais rien, j'étais près de la fenêtre et il y avait tout ce verre et puis la neige et puis ça bougeait si vite, merde. Et puis après, j'étais en bas. Non. Tu peux bouger? Oui. Allez, Jess. Ah, le retour de la lampe qui tremble. Alors... Là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Attention, totem par ici. Où ça, les bibiches? Je vais là ou pas? Je vais là-dedans ou pas? Il totem. Ouais, mais c'est là-dedans, c'est où? Les potes. Histoire qu'on ait le film au moins le plus proche où je vais là-bas. Gauche ou droite en gros? Attends, on va faire un petit tour ici. Le temps que le chat réponde. On va rechecker là. Personne ne sait. Ouais, bah je vois ça. Va à droite, tu risques rien. À l'instinct. Mais non, mais les gars, nous on aimerait... On aimerait juste le max de totem en fait. Droite, y a rien. Y a rien à droite. Amoul qui disparaît au pire moment. Ça fait plaisir. On va où? Bon, allez, vas-y, hein, nique, hein, c'est bon. Hein. Les gars, j'ai pas traîné 2 heures. Sinon, on est mort dans le film. Bah, attendez. Si à gauche y a rien, on peut au moins aller checker quoi. Y'a un truc à récup', bah ouais. Alors... Regarde ça. On dirait un éboulement. C'était moi. Ah. Quoi? Je suis tombée... à travers le toit. Ah, elle est tombée là, Miss Kine. De si haut. Putain. Au moins, t'es pas la seule. Quoi? Eh bah, je suis tombé d'une putain de tour tout à l'heure. Tu plaisantes, là? Ah, bah avec Jess. Alors, il paraît qu'il y a un totem, les gars. On va essayer de le trouver. Pareil qu'il y a un totem, mais j'ai toujours pas là. Attends, le totem il est derrière ou devant? Je pige pas. Je l'ai pas loupé là. On est d'accord, j'ai pas loupé le totem. Ok les potes. Mais ça n'existe pas derrière les gars. C'est se cacher ou courir devant. Donc je me cache. Allez, on se fait un petit cache-cache. Donc je suppose qu'il va pas falloir bouger la manette. Bon allez Jess. Attends, attends. Rip le totem, comment ça?
Comment ça? Le totem était derrière. Bah attendez, on va reprendre. Mais j'ai pas vu le choix de derrière. Voilà. Pim 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 pim. Ok. Bon bah ça on l'avait déjà vu. Laisse se cacher ou courir. J'ai rien compris. C'était avant les deux choix. Ah! Mais putain, attendez. Les gars, je vous demande si on a loupé un totem. Vous me dites que non. Donc j'avance jusqu'à la cinématique. Logique. Donc là, il est où le totem? Je comprends pas. Derrière le spawn. Mais what the fuck? Là, on est passé. Ok. Attends, mais il est où, wesh? Derrière les rails? Tu dérailles? Derrière les rails? What the fuck? What the fuck? Ok. Bon bah les gars, ça fait mal. Il nous reste un totem. Le dernier, dites-moi vite fait où il est. À quel moment il est que je vois si on peut être serein ou pas. Ça sera avec Sam? Ok. Ok, ok, ok. Et là, on se cache, par contre? On se la joue cache-cache? Wesh, il est introuvable quand tu sais pas. Ouais, bah, faut jouer avec les caméras, quoi. Ah, faut se cacher parce que Jess est blessé, d'accord. Les Wendigo, ils sont trop vifs, frère. Ça fait mal. Bon sang. D'accord. On y va. On doit y arriver. À sortir d'ici. Allez. Allez. Ok. Allez, allez, allez. Cache encore? Là, Jess, elle était déjà morte, hein, sur YouTube. Oh, sa mère, ils préviennent pas assez. Eh, hey, mais ça, c'est terrible, hein, les bougies plus, hein. C'est horrible, hein. Okay.
sa meilleure perso, je suis d'accord. Mais j'avoue qu'elle elle a pas vécu grand-chose. Hein. Droite ou gauche, les bibiches? Il nous reste un putain de totem. Là, il n'y a aucune diff, les gars. Droite ou gauche, on s'en branle. Chemin de droite. Serre un peu à gauche. Frérot, on passe le permis de voiture ou quoi, là? Le dernier, les gars. La libellule, là. Bien, ouais, j'ai... Ok, dans les cinémas. Danger dans le cinoche. Bon, on peut se mater les événements du passé maintenant ou il faut attendre un certain moment? En vrai de vrai? Ah, on n'aura pas la fin quoi. Genre, il se passera rien plus tard, vaut mieux le regarder maintenant? Un totem, ça fout le seum. Ah bah ça, je n'en dirai point trop. Je crois que tu peux. Il n'y aura rien d'autre qui se dévoilera. Parce que là, il y a un tout petit trou, bizarrement pour un totem, mais à la fin du film, il y a une dinguerie quand même. Hein. Ouais, c'est frustrant, ouais. Tu pourras aller le chercher après, ça validera le film. Donc, à la fin du jeu... On peut revenir au chapitre juste pour aller chercher le totem? Et ça vaut pas... Vas-y, on va le regarder. Bah les couilles. On va quand même regarder au moins jusque là, tu vois. Il y a fort longtemps, mon grand-père chassait les créatures maudites. Mais une d'entre elles a pu le berner. La plus féroce, le Macabichou. Une bête abominable. Et mon grand-père n'a pas réussi à la vaincre. Quelque temps plus tard, des prospecteurs sont venus exploiter cette montagne. Jusqu'à ce qu'un éboulement coince les mineurs et réveille la malédiction. Ils étaient des dizaines d'hommes sans nourriture, sans lumière. Et dans cette obscurité, la faim s'est faite sentir. Ils étaient rongés par cette atroce voracité. Et ils perdirent la tête. Meurtriers. Cannibales. Mangeant de la chair humaine. Et si on tue cette monstruosité, l'esprit relâché parcourt la montagne comme un vent maléfique à l'affût d'une nouvelle proie. Il est très dur à tuer, j'ai essayé. On peut seulement le piéger, le menacer par le feu, après toutes ces années, après plusieurs lunes et plusieurs traques. En liberté, insaisissable, hors de ma portée. Jusqu'à cette nuit, il y a un an, j'avais enfin réussi à la voir dans mon viseur. Mais nous n'étions pas seuls dans la forêt ce soir-là. Alors que je pistais le Macabichou, lui pistait quelque chose d'autre. Vos amis sont tombés de la falaise en essayant de le fuir. Je n'ai rien pu faire. Je ne pouvais pas sauver vos amis. Mais je pouvais les venger. Ok. Ok, on l'aura quand, la fin ? On l'aura à quel moment? Non, faut vraiment tous les totems pour déverrouiller. Le Macabichou. On ira chercher le dernier totem si vous êtes sage. Ça risque de prendre des années. Hein.
Ok. Allez, direction la fin du jeu, les gars. Là, on retourne au chalet. Et c'est terminado. Ah oui, mais t'as une sale gueule. Tout le monde a une sale gueule. Ce sera bien pire si on traîne dans le coin. Allez. C'est même pas du double vitrage, alors qu'il neige tout le temps. Ok. Mike, il lui est arrivé quoi à Josh? Il l'a eu. Ok. La vitre est plus cassée, si. Oh putain, bien, par contre, la lampe, on la voit à travers le décor. Ok. Allez, be careful, on sait qu'il y en a un là. On l'a vu dans le totem. À ton avis, quelles sont nos chances de survie? J'essaie de pas trop y penser. Vas-y, cours! Cassez-vous, allez! Cours! Oh la pute! Thank you.
c'est des vrais couraves. Oh là là. Oh wesh. Anna, elle est énervée. Oh, j'ai failli bouger sa mère. Oh, j'ai failli bouger sa mère. Oh, c'est long. Comment c'est long, ça met une vraie pression. J'ai failli bouger là les deux fois. C'est terrible, hein. C'est terrible, hein. Mais bien sûr qu'on va sauver Mike, les gars. Je fais juste une pause. Ils préviennent pas. Mais vous savez que c'est quand ils disent qu'il faut surtout pas bouger la manette. Parce que, les gars, la manette, elle est hyper sensible, hein. C'est pas une blague, hein. Déjà, la manette PS4, à l'époque, elle était grave sensible. Vous savez que c'est quand ils disent ne pas bouger. J'ai envie de taper ma plus grosse barre, frère. J'ai envie de taper ma plus grosse barre. Allez. Oh putain. Oh sa mère. Oh c'est long sa mère. C'est horrible. Ah ! Mais mec, j'ai pas bougé, frère. C'est trop. J'ai à bouger, c'est trop sensible. C'est débile. Je n'ai pas bougé, les gars. J'ai pas bougé, ça rend fou, frère. La manette est trop sensible. Frère, tu lâches une caisse, c'est mort. C'est... Je respire, les gars. Je n'ai pas le droit de respirer, apparemment. T'as stressé? Non, 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 j'ai pas bougé, vraiment. Déjà, c'était sensible à l'époque de la PS4, ça m'avait coûté des déconvenus. Mais alors là... Bah si, il faut que je la pose, à la limite, mais... Vous voyez le blanc bouger solo? Ben je sais, mais je pouvais rien y faire. Je le voyais, le bleu se diriger vers le bord. J'étais en mode, bon bah... Putain... Oh les gars, c'est pas grave, hein. Mais vu qu'en plus on est sur PS5, les gars... Putain, mais la manette, c'est trop, la sensibilité du bail. Même posé, ça bouge quand même. C'est beaucoup trop sensible, hein. À ton avis, quelles sont nos chances de survivre? J'essaie de pas trop y penser. Bon, je vais essayer de trouver une position de... Cassez-vous, allez, de courbature. Hé, Jess, c'est vraiment une pute, hein. Vous l'avez vu, hein. Ne bouge pas. Bouge pas un putain d'orteil. Drainage, frère. On dirait Thibaut InShape. Je contracte sale.
Allez, je me gratte et on est reparti. Allez, position de drainage. Let's go, faire les pecs. Et abdos. Allez, on continue. Ok, on reprend la respiration, les gars. 1, 2, 3, on est reparti, position de drainage. Se cacher encore? Bon, moi je pense qu'on devrait se cacher encore. Oh là là, ça c'est chiant. Allez, position de drainage, je me prépare. Et vous vous rendez pas compte, hein, vraiment. Hein. Les gars, c'est tellement sensible. Je contracte tout mon corps. Je colle la manette à mon corps. Fouh! C'est trop long. On a un visuel. Le bâtiment principal est complètement détruit. Terminé. Attendez, je vois quelque chose. On dirait qu'ils ne sont pas tous morts. Ok, on descend. Jessica n'a pas eu peur. Ah, parce qu'elle a survécu. Elle a survécu, ok. C'était la seule qui me manquait. Des barres. Ils survivront. Ah, c'est les trophées que ça m'a jamais débloqué. Trop bien. Les lèvres rouges. Attends, c'est quoi celui-là? Toutes les filles ont survécu jusqu'à l'aube. Ok. La vieille homme, je sais pas comment le décrire. Au début, vous pensiez qu'il vous traquait. Quelqu'un d'autre du groupe avait eu cette impression? Oui. Est-ce qu'il serait possible qu'il l'ait tué? Quoi? Non! Non, vous comprenez pas, vous comprenez pas! Mais s'il vous a attaqué? Il m'a sauvé la vie. Et je l'ai vu mourir. J'ai entendu. Jessica, je sais pas comment ni pourquoi elle était là, mais je sais que je l'ai entendue. Il l'a braqué sur mon visage. Juste là, devant mon nez, et il aurait pu me buter. Il a failli me buter, le connard. Quand on sort avec un type pendant je sais pas combien de temps, on croit le connaître. Mais là, lui, il s'est vraiment surpassé. Elle est conne, hein. J'étais là, sur place, et j'aurais pu faire quelque chose. J'ai essayé de faire quelque chose. J'étais faible.
Comment vous êtes-vous retrouvé dans les mines? On m'a porté et emmené. Et qu'avez-vous vu? Je sais pas. Je sais plus. Il pétait complètement les plombs. Il voulait nous faire du mal. Et j'ai cru que c'était lui qui avait attaqué Jess. J'ai cru qu'on était proches. Après que ses sœurs aient disparu, il est venu me parler. Il a dit que j'étais la seule personne à le comprendre. Et j'ai cru. J'ai cru qu'on était proches. Si vous avez besoin de parler à quelqu'un... Je vais bien. Vous savez, parfois, suite à un profond traumatisme... Je vous dis que je vais bien. Je l'ai planté et j'ai essayé de m'enfuir, mais je savais pas. Il faut me croire, je savais pas. Savoir quoi? Et planter qui? J'ai poignardé le psychopathe. Je savais pas que c'était Josh. Et en fait, c'était lui, le psychopathe. Sauf qu'on pouvait pas se douter que Josh avait toutes les îles flinguées au bon sang. C'est le gros débile qui passe après? Vous pouvez le tabasser de ma part? Excusez-moi. Le débile? Monsieur Muscle, Matthew, incroyable nulk. Y a-t-il quelque chose que vous voudriez nous dire? Oh non, rien d'important. Sauf, simplement, en gros, il m'a laissé crever. C'est une putain de tour qui s'écroule comme un gros connard de première classe. Votre amie Ashley, elle dit qu'elle a voulu vous aider. Non. Elle dit qu'elle vous aurait entendu crier. Non. C'était pas moi. Michael. De quoi vous rappelez-vous? Il est venu pour moi. Pour me sauver. Vous sauver? Où est-il? Il s'en est sorti. Écoutez-moi bien. Je m'en fous que vous me croyez ou pas, parce que vous finirez par le croire. Vous devez descendre dans les mines. Pour y chercher quoi, Sam? J'ai vu ce qu'il y a dans ces mines. Et je donnerai n'importe quoi pour oublier ça. Ok. On a eu le film complet. Je suppose que Josh meurt quoi qu'il arrive. Ouais, j'ai sauvé tout le monde. Solo! C'est des musiques pas DMCA, je sais pas, on verra sur Google, les gars. Ah, ça vous fait une petite musique au moins. Oh, quel jeu.
Putain. Merci le fait que ce soit une exclusivité Sony, c'est PlayStation qui a rendu le jeu grandiose, hein. Les gars, si Zikwari avait été une exclusivité, le budget aurait été beaucoup plus important, hein. Quelle tristesse. Quelle tristesse. Merci mon Rastachip pour le 33e mois. Bon bah en attendant je vais remercier tout le monde. Merci Bazou pour le 55e mois, DJ Jerem 32e mois, merci Vegeta pour les 1€. Merci Lion S. Kennedy pour le 24e mois. Merci Assassin Ezio pour le 10e mois. Nicotine pour le 15e mois. Le Caribou, merci pour le 62e mois. Mazajou, 44e mois. Kabal, 48e mois. Easy Chocolatine, 53e mois. Hydrotos, 45e mois. Fizou, 15e mois. Dictator, 37e mois. Dumbizy, 38e mois. Sower, 6e mois. Titan Fort Eva, 15e mois. Mikawel, 15e mois. Snowtwick, un petit nouveau qui vient d'arriver en Prime, bienvenue à toi. Merci Verso Médaille pour Heralbos. Merci Obvious pour le 11e mois. Wiko pour le 37e mois. Razagoul pour le 48e mois. Gonmiche Master, 35e mois. Mister Mousse pour le 4e mois. Tarlatata, 24e mois. Smokian, 35e mois. Seoyan, 14e mois. Reikyu, 52e mois. Et Ramin, évidemment, pour le 37e mois. Ça fait extrêmement plaisir. À dans 4 ans pour la foule mort. Bon, on peut passer là ou... Le problème, c'est que Détroit avant New York, j'aurais pas le time, je pense. Merci, mon Evalo. Merci pour Fanous. On peut passer ? Il y a une cinématique ou pas ? Ah. On a redécouvert à quel point Until Dawn était vraiment un jeu très très propre. On sait pourquoi, hein, je l'avais dit à la fin de Zikwari. Mais en tout cas, c'était un vrai bonheur. Et on se retrouve très bientôt en live, soit pour Beyond Two Souls, soit pour Détroit, évidemment. On va replonger dans ces aventures oubliées. Allez, bisous tout le monde!